passionnant voyage, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle destination Aïkido en Uruguay, et plus précisément à Montevideo. Nous allons parler durant ce séminaire des trois principaux modes de perception que nous utilisons durant notre pratique. Elle nous permet d'observer directement notre environnement et de comprendre les limites que notre espace nous impose. Elle développe notre vision en nous apprenant à quel endroit poser notre regard. Complémentaire à la perception visuelle, elle nous ouvre la dimension des sensations à travers les contacts. Elle nous met à l'écoute de notre partenaire et des contraintes qu'il nous impose, tout en nous enseignant qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Elle vous donne l'occasion de prendre conscience des bruits ambiants, souvent riches en informations. De plus, l'utilisation de cette perception peut nous donner l'occasion de fixer un geste à travers un kihai. Je pense que l'étude de ces différents modes de perception a permis aux stagiaires d'accroître d'une part leur concentration et d'autre part le ressenti du temps et de l'espace durant l'exécution des techniques. Pour conclure cette 10e destination Aïkido, je tiens à remercier tous mes amis uruguayens pour leur chaleureux accueil, leur gentillesse et leur convivialité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle destination Aïkido.